Pour faire le lien avec le documentaire précédent sur la Reine Rouge, je vais en reprendre une partie qui est basée sur l'article 33 de mon livre « Premier contact ». Je vais d'abord vous représenter le texte de manière théorique, plus complète, puis j'extrairai certaines parties pour les approfondir et vous donner davantage de détails. Les clones sont monnaie courante dans le monde extraterrestre et c'est un domaine en pleine croissance également sur Terre. Des échanges de clones et des opérations commerciales ont lieu quotidiennement à très grand niveau entre planètes et entre espèces. Les recherches scientifiques et la production des centres de clonage implique la création de nombreuses formes hybrides. Ainsi que des personnes entièrement créées depuis leur ADN ou qui sont génétiquement modifiées. La signature de traités entre certaines races extraterrestres et des gouvernements terrestres. N'a fait qu'entériner une pratique qui s'est développée pendant des décennies. Des terriens ont été kidnappés, enfermés dans des cages de stockage, dans des planques en surface ou dans des bases souterraines, torturés, exécutés. Utilisés dans des laboratoires pour le trafic d'organes, le commerce sexuel ou l'esclavage sur Terre et sur d'autres planètes. Ils servent aussi de ressources nutritionnelles. L'humain n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. La plaque tournante des opérations se situe en Antarctique, depuis laquelle se développent ces multiples trafics. Les personnes enlevées furent sauvées par milliers par mes contacts extraterrestres lors d'attaques de cargos de fret qui les transportaient hors planète. Certains étaient si jeunes qu'ils ne parlaient pas encore ou ne connaissaient ni leur nom ni leur pays d'origine. Ils sont maintenant en thérapie dans des bases souterraines positives ou sur des vaisseaux spatiaux alliés, dans des centres de soins où leurs blessures et leurs traumatismes sont soignés grâce aux technologies de guérison des lits médicaux. Voyez la présentation de ces technologies dans la vidéo intitulée 2021, numéro 9, modus operandi. Numéro 2, lit médicalisé. Des laboratoires de recherche scientifique, véritables centres de clonage, conduisant des projets importants en génie génétique,
sont intégrés au sein de vastes bases souterraines appelées DOMS en anglais, Deep Underground Military Bases, dont les plus vastes sont celles de Dulce au Nouveau-Mexique, aux USA. Mais il y en a aussi aux Bermudes, en Chine, en Russie, en Sibérie, en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afghanistan, en Irak, en Antarctique et également en Europe, Allemagne, Bosnie, Danemark, Espagne, Grèce, Italie, Norvège, Suède ou sous Paris et d'autres villes en France. Les bases se situent à différentes profondeurs sous terre et dans les fonds sous-marins, avec des entrées souvent dans des endroits isolés, difficiles d'accès ou peu attractifs. Les différentes races extraterrestres se partagent des zones géographiques et se regroupent dans une base en plusieurs groupes différents selon leurs intérêts communs. Certaines sont très actives tandis que d'autres se contentent d'observer et de collecter des échantillons. Voici une cartographie des bases mexicaines qui fut effectuée par mes contacts stellaires extraterrestres à ma demande et qui me fut remise le jeudi 13 décembre 2018 à 18h21. J'ai travaillé avec Zen, mon mentor, sur cette question des bases souterraines, comme beaucoup d'autres sujets inconnus du grand public. Le centre des opérations souterraines était Dulce, au Nouveau-Mexique, aux USA, avant qu'il ne soit envahi par les forces alliées. Ces bases autonomes, entièrement aménagées et approvisionnées, sont gigantesques et sont aussi étendues sous terre que les villes en surface. Elles disposent de technologies inconnues du grand public et sont alimentées en électricité par des centrales nucléaires en surface. Elles sont situées entre 1,5 km jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres en profondeur sous la surface des grandes villes terrestres. Considérez la cartographie des villes sur toute la planète. La cartographie est la même sous terre. Chaque ville souterraine peut comporter jusqu'à 30 étages en profondeur qui sont accessibles depuis des entrées spécifiques en surface. Les bases sont aussi accessibles par un vaisseau spatial, pôle Nord, pôle Sud, Mont Shasta et d'autres, grâce à des entrées et des tunnels si larges que deux vaisseaux peuvent y évoluer de front. Ces vaisseaux peuvent passer de l'air à l'eau instantanément. Comme dans un aéroport international ou un hôpital, chaque base a ses propres entrées ou points d'accès et des routes. Elles sont accessibles en voiture. Elles ont aussi des ascenseurs ultra rapides sur plusieurs dizaines de kilomètres
en sous-sol. Notez que le record de vitesse d'un train maglev est normalement de 603 km/h en 2015 au Japon et le TGV français à 574 km/h en 2017. Les réseaux couvrent l'ensemble de la planète et relient les bases entre elles sous n'importe quel continent ou océan. Chaque niveau est divisé en départements de recherche avec des laboratoires spécifiques. Les premiers niveaux sont réservés au personnel humain, la sécurité, les services de communication, les quartiers d'habitation humaine. Puis en dessous, les laboratoires scientifiques, les centres d'expérimentation mentale, les centres de loisirs réservés à de riches participants. Puis à l'étage inférieur, les quartiers d'habitation extraterrestre, les laboratoires d'expérimentation génétique et enfin les salles de stockage cryogénique ou des capsules holographiques de mise en stase. Zen, mon mentor extraterrestre, m'a remis ce graphique que j'ai traduit en français pour faciliter la lecture. Comme vous le voyez, les différents projets et programmes y sont mentionnés. Ils sont développés dans des bases souterraines depuis plus d'un demi-siècle. En jaune, j'ai souligné les programmes qui concernent le clonage avant et pendant la réinitialisation mondiale qui est en cours actuellement. Mais au fil de mes présentations, je reviendrai sur les différentes parties de ce graphique pour vous les expliquer. Les laboratoires de recherche niveau -3 sont reliés à plusieurs centres hospitaliers souterrains à la disposition d'une riche clientèle pour des transformations ou des altérations physiques personnelles. Mais ils sont également couplés à d'immenses centres de divertissement et de loisirs, donnant accès à des sessions événementielles payantes pour des spectateurs fortunés. Cette clientèle comprend des membres des familles royales ou influentes, des célébrités, des artistes, des athlètes, des musiciens, des mannequins, des écrivains, des producteurs, des acteurs, les PDG de multinationales. Et toutes sortes de personnes de diverses industries ou des sciences, mais également des présidents de nations et tous les membres de leur gouvernement qui sont invités et amenés discrètement pour assister à des divertissements ou des mises en scène thématiques pendant lesquelles les participants interagissent avec les clones et peuvent s'adonner à leurs penchants les plus pervers. Dans la série Squid Game sur Netflix, dont je parlais dans le documentaire La stratégie des jeux de puces, ces divertissements commencent lorsque de riches participants, des VIP, arrivent masqués et observent les différentes étapes du jeu. C'est la raison pour laquelle la base souterraine de Dunqi,
au Nouveau-Mexique, aux USA, était appelée l'une des plus grandes maisons closes de cette partie de la galaxie, et des centaines de milliers de personnes y étaient gardées en captivité en tant qu'esclaves sexuels ou prêtes à être expédiées vers des colonies hors planète. Ces centres concernent également de puissantes multinationales ou transnationales sur Terre en relation avec les gouvernements qui sont contrôlés par des stellaires, des extraterrestres. Ces derniers sont très impliqués dans ce domaine, dans des buts économiques, scientifiques, industriels, territoriaux, financiers et de pouvoir. Ces événementiels impliquent la production qui sort des laboratoires, c'est-à-dire des clones humains terrestres, ou des clones humains extraterrestres et des formes hybrides. Les lieux sont donc fortement sécurisés et contrôlés à l'aide d'une technologie de surveillance avancée et le contrôle des ondes cérébrales EEG de tous les participants, qu'ils soient invités, hybrides ou clones. Cette technologie a la capacité de lire le cerveau pour déterminer ce que l'esprit anticipe ou spécule et pour prévenir les attaques ou les dangers. Avant que les participants ne quittent les lieux, le cerveau des personnes est mis dans un état de transe pour les empêcher d'organiser clairement leurs pensées ou de se souvenir de l'existence des centres de clonage. Les clones sont fabriqués depuis leur ADN ou un ADN récupéré depuis un cheveu, de la peau ou du sang, qui sont cultivés dans des nacelles médicales. Ou des poches artificielles remplies d'un liquide amniotique et de tout ce dont le fœtus a besoin pour se développer. Puis, le transfert de l'âme est effectué par le biais d'un processus de copier-coller la coquille électromagnétique de la conscience dans le cerveau est déplacée artificiellement vers le corps d'un clone jugé compatible. Diverses séances de programmation, de synchronisation, d'entraînement ou de jeu prennent ensuite place pour préparer les clones à leur future mission. Les clones qui ressemblent en tout point à des Homo sapiens sont ensuite utilisés dans de multiples opérations.
Ils sont conçus pour vivre pendant un laps de temps déterminé, allant de quelques jours à plusieurs centaines d'années, et ils ont, comme de nombreux produits, une date d'obsolescence. Ils peuvent être mis en vente sur des marchés terrestres ou interstellaires selon des critères de qualité, de durabilité, d'efficacité ou d'esthétique qui feront varier leur prix jusqu'à près de 1 million d'euros l'unité. Exemple 1, un clone humain fabriqué sur Terre sera utilisé pour des attaques publiques importantes et sera formé et programmé pour détruire et tuer. Durée d'obsolescence de quelques jours à quelques mois. Exemple 2. Un clone sera envoyé en opération militaire et infiltrera un gouvernement ennemi, durée d'obsolescence plusieurs jours à plusieurs années. Exemple 3. Une armée de clones sera envoyée sur Mars comme travailleurs, soldats ou esclaves sexuels, durée d'obsolescence plusieurs années. Exemple 4. Le clone d'une magnifique extraterrestre avec des critères de beauté parfaits fabriqué sur Terre, servira d'escorte ou d'esclave sexuel et se vendra sur le marché près d'un million d'euros dans des clubs d'achat réservés et prisés par des milliardaires terrestres. Durée d'obsolescence selon le sort qui lui est réservé. Exemple numéro 5. Un clone ou un groupe de clones extraterrestres fabriqués sur un vaisseau spatial ou sur une autre planète sera envoyé sur Terre pour des opérations politiques, militaires ou d'élévation de la conscience. Durée d'obsolescence, quelques jours à des centaines d'années. Exemple 6, des clones de stars, d'acteurs de cinéma et de présidents élus de certains pays les remplacent en cas de défaillance ou de décès, durée d'obsolescence, la durée de vie de la personne qu'ils remplacent. Nous allons maintenant étudier certaines parties de cette présentation en détail, notamment les catégories de clones, des exemples 5, des clones qui sont créés par des extraterrestres ou des terriens sur des vaisseaux ou dans des bases souterraines en vue d'opérations politiques ou militaires. Et l'exemple 6, des clones d'acteurs de cinéma et de présidents élus de certains pays qui les remplacent en cas de défaillance ou de décès. Et nous allons y associer non seulement des parties du graphique sur les projets souterrains,
en particulier toutes les cases qui sont colorées en jaune. Mais aussi les événements actuels, Vladimir Poutine en Russie, Volodymyr Zelensky en Ukraine et Donald Trump aux USA. Vous aurez sans doute remarqué que Trump et Zelensky sont tous les deux des acteurs. Ce ne sont pas des présidents élus par des peuples. Ce sont des acteurs qui jouent le rôle de président élu par le peuple. En réalité, ils ont été investis dans leur rôle respectif par accord entre les métacontrôleurs terrestres et les extraterrestres qui vivent sur Terre dans des bases souterraines. Donc, ce sont des acteurs qui jouent un jeu de rôle, mais au lieu d'être une guerre dans un film, ils jouent leur rôle dans la vraie guerre terrestre. Vous voyez aussi sur le graphique que dans les centres de clonage souterrains, des célébrités sont clonées. Soit à partir d'ADN ancien, ou à partir de leur propre ADN, car souvent ces célébrités sont les descendants de personnages historiques célèbres. Voici des exemples de clones et de doubles de chefs de gouvernement et d'élite.
Biden a été remplacé par plusieurs clones, notamment un clone qui est un avatar de la fusion homme-machine et d'après les tests, les résultats obtenus ont été meilleurs que prévus. Pour que vous compreniez comment deux clones peuvent évoluer ensemble en partageant les mêmes informations, lisons ensemble l'article 36.2, les variants stellaires extraterrestres, puis nous reviendrons à la question des clones. Un variant est la version stellaire extraterrestre physique du doppelganger. Ce sont les multiples versions d'une même personne incarnée dans des lignes temporelles ou fréquentielles multiples. Ces différentes versions de la même personne ou variant ressemblent à des jumeaux, mais contrairement aux jumeaux monozygotes, c'est-à-dire les vrais jumeaux, qui ont un même patrimoine génétique et qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ces variants ressemblent à des jumeaux dizygotes, c'est-à-dire de faux jumeaux, qui ont des gènes différents. Leurs apparences sont très similaires, mais de nombreux détails diffèrent, aussi bien d'un point de vue physique que mental ou de leur personnalité. Certains variants de la même personne peuvent être spirituels et positifs, et d'autres négatifs et destructeurs. Les stellaires précisent que lorsque l'on pilote un vaisseau qui a un moteur warp, on peut le remplir entièrement avec les nombreuses versions d'une même personne. Mais il faut savoir que lorsque l'on enlève un variant d'une famille, on l'extrait et il disparaît en laissant un vide qui ne peut pas être comblé. Quelquefois, la même version, plus jeune, d'un homme dont on se servira comme étalon sexuel sera enlevée sur Terre pour remplacer son variant plus âgé et moins performant sur un vaisseau spatial. Zen, qui avait 148 ans en 2016, et donc qui est âgé actuellement de 154 ans, a été confronté à cette situation et à au moins trois autres versions plus jeunes de lui-même avec lesquelles il a dû interagir après que ces hommes
furent kidnappés et amenés sur son vaisseau par les femmes de sa flotte et utilisés comme étalons pour leur plaisir personnel. Ils ont été enlevés au même endroit, dans la même famille, sur la même planète, mais en 5D, dans des lignes temporelles et fréquentielles différentes et dans des mondes parallèles. Les différentes versions du même homme ou de la même femme partagent la même âme et la même conscience, ce qui a donné lieu à des situations rocambolesques qui contrariaient Zen, car une version de lui plus jeune et impulsive mettait en place des actions controversées aux conséquences négatives et il trouvait pratique de lui laisser porter le blâme. Vous voyez donc dans cette conversation que j'ai eue avec Zen que, premièrement, les différentes versions de la même personne se ressemblent comme deux gouttes d'eau à des détails près, au niveau physique, mental, psychologique ou spirituel. Et deuxièmement, les différentes versions de cette personne partagent la même âme et la même conscience, mais il y a aussi des différences à ce niveau. Deux clones identiques peuvent avoir des approches différentes, négatives ou positives. Prenons l'exemple de Kim Jong-un. Voici une photo prise au mois d'avril l'année dernière. Deux mois plus tard, le 29 juin 2021, le dirigeant suprême de la Corée du Nord est apparu amaigri. Pourtant, comme le souligne Thomas Pierre dans son article publié sur le site de RTL le 9 juillet 2021 à 15h19. Je cite, début avril, le leader suprême nord-coréen montrait encore un véritable embonpoint lors d'un congrès du parti à Pyongyang. Les images publiées fin juin par les médias locaux semblait pourtant lui donner quelques kilos en moins lors d'une réunion gouvernementale. Peut-on perdre 10 à 20 kilos en 2 mois? Peut-être si on est gravement malade. Et la population nord-coréenne, qui le pensait,
s'inquiétait pour son leader, mais était-ce la réalité? Eh bien non, il s'agit simplement d'un leader gouvernemental qui a été remplacé par une autre personne, soit parce qu'il est décédé ou arrêté, comme c'est le cas pour certains dirigeants aux USA ou en Europe. Ou parce qu'il est nécessaire de mettre en place une autre personne capable de réaliser les projets soulignés en jaune qui ont été programmés dans les bases souterraines. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un double, mais probablement d'un clone. Essayons de reconnaître les différences en tenant compte de ce que disait Zen, que les deux versions de la même personne se ressemblent à des détails près, aussi bien au niveau physique que mental et psychologique, et que la conscience passe d'une personne à son clone. Essayons ensemble de repérer ces petites différences. Je vous laisse quelques secondes pour les comparer. Premièrement, l'apparence générale est quasiment la même, mais à gauche, il est plus volumineux et arrondi, et à droite, plus fin et plus long, et il paraît plus jeune. Deuxièmement, les cheveux s'éclaircissent à gauche et sont plus fournis à droite. Leur couleur est aussi différente, noir tirant sur le marron à gauche et noir de jais à droite. Troisièmement, la couleur de peau est plus sanguine et plus chaude à gauche et plus froide avec une apparence un peu synthétique à droite. La verrue et la coloration de la peau qui l'entoure sont un peu différentes. Quatrièmement, l'expression des yeux n'est pas la même. À gauche, il est plus émotionnel et à droite, beaucoup plus raisonné. Les yeux sont un peu différents. Et les lunettes sont plus carrées à gauche et plus arrondies à droite, car elles épousent la forme du visage. Le dessin de l'écaille des lunettes à gauche et les parties beiges ne sont pas les mêmes. Et à gauche, il y a de longues plaquettes qui reposent sur le nez et il n'y en a pas à droite. Le nez est plus long à gauche et plus court à droite.
La bouche et les lèvres sont plus fournies à gauche et le sont moins à droite. Les oreilles sont plus petites à gauche et plus longues, plus hautes et plus décollées à droite. Les oreilles sont en général ce qu'il faut regarder en premier pour voir si ce sont deux personnes différentes. Voyons maintenant un autre personnage public adoré par ses fans. Je vous laisse quelques secondes pour faire la comparaison. Première chose à faire, regardez les oreilles. Voici trois Trump. Trump n'est pas qu'une seule personne. Ce sont trois personnes différentes. Et toutes les trois sont des clones ou des doubles. Ils sont tous en fonction et jouent leur rôle d'acteur dans toutes les situations où ils sont placés. Ils apparaissent tour à tour dans les speeches publics, les rassemblements ou en campagne électorale, comme s'ils jouaient dans un film. Sauf qu'ici, c'est la vraie réalité terrestre. Il est probablement très difficile pour vous d'imaginer et encore moins de pouvoir accepter que tous les dirigeants politiques, militaires et ceux des grandes multinationales corrompues en Europe et aux USA ont tous, sans exception, été remplacés par des clones ou des doubles très bons acteurs. Mes contacts extraterrestres m'avaient confirmé en 2020, lors des élections présidentielles aux USA, que c'était Donald Trump qui avait remporté les élections et qu'il serait accompagné par John Kennedy Jr. Nous avons tous été surpris par la tournure qu'ont pris les événements à cette époque. Les métacontrôleurs ont simulé l'élection de Biden et les médias à leurs bottes ont rapporté que c'était lui qui avait gagné. Mais il y avait un filigrane dans les bulletins de vote et tous les votes avaient été enregistrés. L'alliance militaire qui soutient le président Trump a décidé de révéler ouvertement au public le degré de corruption au niveau gouvernemental. Et c'est Trump qui est en charge du groupe des clones et qui les représente. Il effectue le casting pour remplacer les membres humains, normaux, corrompus, qui ont été arrêtés et remplacés par leurs clones pour stopper la profonde corruption et pour remettre les USA sur pied. Joe Biden est joué par deux ou trois acteurs et toute l'équipe présidentielle actuelle n'est qu'un casting sélectionné par l'équipe du président Trump. Tous ces ministres sont des acteurs ou des clones
qui répètent leur rôle et font ce que le président Trump leur ordonne de faire. Beaucoup d'autres choses sont en train de se passer au niveau du clonage et les clones que j'expliquerai dans le prochain Info au diapason qui sera publié le 31 mars. Mais pour vous y préparer à l'avance, et comprendre ce que je vais vous expliquer, regardez le film Upload qui illustre le téléchargement d'une réalité virtuelle dans un corps de clone. Cette étape de la transformation de l'humanité est déjà en cours. Voici le lien vers le trailer de Upload. Vous pouvez, comme d'habitude, lister vos questions sur la thématique des clones dans les commentaires de ce post sous l'onglet « Communauté ». Cette présentation est terminée. À très bientôt. Je suis Tim, votre animatrice de service est l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur.